Ouais, les gars, c'est Romano. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. Encore une fois, The Dark Picture Anthology. Aujourd'hui, c'est sur House of Ash. Je suis toujours avec Coco Avoc. Hello. Et c'est parti. On avait fait les autres. Là, on a laissé un peu de temps passer depuis le dernier. Le dernier, c'était quoi? C'était Little Hope. Il nous restait plus que celui-là, je crois, si je dis pas de bêtises. Normalement, oui. Attends. Ne jouez pas seul. Si, je veux jouer seul, moi. Jouer seul. Hop. Et c'est parti. Apparemment celui-là c'est à une époque où c'est la guerre et tout, j'ai pas bien. Là, ça a l'air un peu différent des autres, on va voir ce que ça donne, je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis toujours dans le noir, je suis toujours avec la manette Xbox, que je connais moins bien que celle PlayStation, mais ça devrait aller pour les QTE j'espère. C'est quoi, clémente, difficile ou mortelle? Difficile hein, moi je. C'est genre le normal, ils l'ont juste appelé différemment. C'est parti. Faut jouer avec une manette. Hein? Ok, manette. Let's go. En vrai, la Tull Hope était bien, moi j'aime bien. Moi j'ai kiffé. Hein. C'était quoi? Il est quand même plus peur à quoi que The Quarry. Hein. On a fait quoi? Ouais, The Quarry en vrai, un peu... pas déçu, mais c'était pas le meilleur. Little Hope 100 fois mieux. Ouais, Et on franchement, avait l'histoire fait. était bien. Et The Devil Enemy aussi. Qu'on avait fait. Ouais, rien à faire, ces jeux-là sont quand même bien. Ouais. Parce qu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Le sens bien celui-là, je sais pas pourquoi. Mais il avait l'air bien, ouais. On avait vu les Ouais. vidéos, non? Vite fait. Oh misère de misère. Donc on s'est lancé. Oh Ouais, misère. j'ai encore le son à fond dans le casque en plus. Oh, agréable, tu vois ça. Ah ouais, on est bien accueilli, ça commence bien. Tes paroles ne valent rien ici. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Baladine, pardonnez-moi, Seigneur. Le roi retire votre présence immédiate. Les dieux te font grâce. Pour l'instant. Ramène-le dans sa cellule. De la chance, Coutil. De la chance? Non. Ces chiens n'en auront aucune. Ah ouais. Dès le début, ton amour et gentillesse. Nous devrions partir d'ici. Le roi, sa folie menace de tous nous engloutir. Ce temple, il est maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit que périr de maladie ou de famine. Nous avons reçu des ordres. Le dieu de la lune t'a envoyé détruire mon royaume. Je le sais, jeune fille. Rien n'échappe à mes yeux. Regarde, autour de toi. Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs? Les dieux ne se revêtent-ils pas de sa beauté? Les Goutis approchent, général. Le dieu de la lune envoie une armée pour nous détruire. Je rassemble nos troupes sur le champ. Bien. Et qu'en est-il d'en bas? Il y a des centaines de prisonniers, mon roi. Les sacrifier prendra du temps. Le temps est ce qui nous fait cruellement défaut. Peu importe. Tout le sang de cette armée nourrira le désert. Le sacrifice sera bien accompli. En commençant par celle-là. Dites-moi, général. Vous C'est nous, rappelez tu penses? quelqu'un?
Mais je sais pas, c'est un peu bizarre là. Mon roi, n'est-elle pas le portrait de votre propre fille? Quel âge aurait-elle aujourd'hui? 18 ans. 18 ans. Quelle tragédie que cette épidémie. Tu es là. Oula. Non, je peux la tuer, moi. Pas moi non plus. Mon roi, ne serait-il pas sage de laisser vivre la fille? C'est une éclaireuse ennemie. Interrogeons-la sur les gouttes. Non. Chaque goutte de sang versée nous rapproche de la délivrance. Elle doit mourir. Yes. J'ai réussi mon QTE pourtant. Après t'es qui toi, tu penses t'es le mec ou... Bah je suis elle ou je suis... Ouais non je suis elle, je suis pas le mec. Et peut-être l'autre mec qui se faisait défoncer au début aussi. Je dois faire quoi? Ah me demande de... Ouais j'ai pas envie frère. Je le fais pas, tiens je l'envoie là. Je te jure je le fais pas. Je jure que je le fais pas frère. Ah, fils de pute. Oh. Bah on est pas elle je crois. Vous avez passé trop de temps à tuer des veaux dans nos cellules à la tour. Il y a du relâchement. Après avoir bien réfléchi, on est pas... Ils avaient prévu le coup qu'on allait pas le faire. Ouais, c'est fou, t'as tout fait pour la sauver, mais malgré tout... Ouais. Ce n'est qu'une jeune fille. Bah... Une fille? Moi, je ne vois qu'un démon, Kuti. Si vous ne pouvez tuer en mon nom, général, alors peut-être devez-vous mourir pour moi. Combattez bien. Oh, ça va les faire tout droit. Ah, ça les fait tout drôle. Ah. Dommage. Ah, ça peut les faire tout drôle aussi, ça. Oh oui. Oh. Oh, tant de violence dès le début. Tout drôle. Ah, ça bouge bien déjà. Ouais, ouais. Allez, hop. Ouais, je pense qu'on est lui, hein. Parce que c'est pas humain ça. Bah ouais, j'imagine que ça va arriver. Pour le moment, il y a encore eu d'horrifique, donc je pense que ça arrive. Dieu, donnez-moi la force. Et le boss, il est mort ou pas?
Ouais. Ouais, il s'est fait défoncer par contre, parce qu'il a plus ses bras, je crois. Ouais, c'est pas humain. Je pense qu'il y a plus important que de se battre vous deux là les frères. Aide-moi, Poutine. Ouais, ça me vrai que là. Il ne se pas. Qu'est-ce que les Acadiens ont fait pour libérer une telle puissance? Nous sommes maudits. Notre roi nous a tous maudits. Nous vous prenions pour des démons. Attends. Mon roi a pillé le temple de Nippur. Il a bâti cet endroit pour obtenir le pardon. Mais les dieux n'ont pas écouté. À présent, lui aussi est silencieux. Même la mort de ma fille si jeune ne m'a pas ouvert les yeux. J'ai suivi ce fou jusque dans la ville. Il ne laissez pas nous entraîner dans sa chute. C'est votre temple! Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une issue par les catacombes. Et je dois vous croire. Comme si tu avais le choix. Nadia, attendez. On va voir c'est quoi, non, on verra pas. On verra pas, mais on verra pas de suite. On verra trop plus tard. Viens m'aider un peu. Viens, suis-moi. Il y a un passage dans ce endroit. Ah, ça a l'air agréable. Oui. Ah ouais, c'était fou ça. Pour les ouvriers hors d'usage. Viens. Ah, c'est reparti, comme ok. Comme dans les autres. Frère, c'est notre potentiellement dernier jeu d'Art Picture, ce serait bien qu'on fasse je gère mes QTE. Ça pourrait être sympa. Parce que dans les autres, c'était pas toujours ça. Après, The Quarry était quand même mal expliqué aussi. Oh, ouais, il était trop bizarre. Tu devais faire des phases en deux fois, je crois. Ouais, oh, c'était de la merde. Ou la touche, elle apparaissait pas direct. Je sais même pas si je devais appuyer ou pas pour la faire apparaître. Là, c'était un peu spécial quand même. Ce n'est qu'un rat. C'est pas qu'un rat, quoi. Ça arrive. Tant de morts. Pour rien. Tous morts enfin. Ou quand je vais prendre le casque, merde. Maintenir T pour prendre des objets. Ah non, y'a rien. Ah. Trouver la sortie secrète. Ok. Attends, c'est quoi? Ah, c'est des prémonitions comme dans les autres encore. On va faire comme d'hab, si on les trouve, on les trouve, mais on prend pas trop d'indices non plus.
Et on va essayer de faire de meilleures fins que d'habitude. Exactement. Là. Parce que ce quarry, Ah, c'est le pire. On a un peu chié dans la colle, quoi. Bah, même Lightlhope, en vrai, c'était pas incroyable l'autre fin. Bah, après, c'était bizarre, ouais, c'était bizarre. Ça, je pense. Parce ouais. Que... Ouais, c'est ça. Il était quand même un peu fou, le garçon, donc au final. Ouais. Ouais. Mais bon, ce quarry, on a vraiment fait de la merde, quoi. Ouais. On a vraiment one shot tout le monde. Tu sais, ce quarry, l'a fait, waouh. La dégueu qu'on a fait. On était si con, quoi. Ouais. Passer devant. Wow. Ça ne risque rien. J'ai dit, passer devant. Quel est cet ornement que tu portes? L'histoire de Gutium. Vous, les Acadiens, avez œuvré pour la chute de mon peuple. Mais soyez-en sûrs, notre histoire ne fait que commencer. Comment allons-nous sortir d'ici en vie? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Entrez dans nous. Il y a toujours de l'espoir. Ok. Ah, il passe devant finalement. Qu'est-ce que c'était? Combien y a-t-il d'entrées à ce tombeau? Nous ne sommes pas seuls ici. Par ici. Oula. Tu vas nous faire tout drôle, toi. Ouais, je pense quand les créatures vont arriver. Mais là, c'est pas une créature, pas si bête, si. Ouais. Ouais, je retire ce que j'ai dit. Et ça va vraiment nous faire tout drôle. Notre seul espoir est de combattre ensemble. Non! Si on fuit tous les deux... On meurt tous les deux. Prépare ta lame. Combattre. Ouais. Autant être brave jusqu'à la fin. Je sais même pas si j'ai sélectionné le truc ou pas. Je sais pas si c'était elle ou elle. Bim! Ah. Il va tomber dans le puits, on verra pas c'est quoi. Et le fond se fait ouais. Les autres soldats. Ah ouais, à mon avis c'est encore un genre de préquel, enfin un genre de truc avant. C'est un genre de préquel et plus tard on sera dans l'armée, ce qu'on a vu dans les trailers, bah ouais, c'est ça. Ah. Ça va pas être plus agréable ça. Il va ramasser aussi je pense. Ouais, c'est sûr. Bah. Oh oui. Là on avait pas le choix je pense. Et ça commence pour de vrai, bah ouais c'est ça, c'est comme à chaque fois. En vrai, c'est lourd, c'est, ça tue, je trouve. Ou que tu rates le QTE, je pense qu'ils étaient comme morts tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est trop bien fait en vrai. Je kiffe les intros comme ça, ouais. Ça te met directement dans le bain, c'est cool. C'est ça. Puis là, on va arriver des années plus tard. Ils mettent toujours des trop bonnes musiques dans les jeux. Ouais, je vais bien grailler au copyright. Ouais, toujours lui. Il est incroyable. Ouais. Il y aura encore un acteur comme personnage de joueur principal. Je pense pas qu'il y a dans celui-là. Il y avait l'acteur qui nous a vu la pirate.
Attends, c'est avec la musique, j'entends mal ce que tu me dis. Je vais faire vite, c'est augmenté. C'est vraiment un film par contre. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Ouais, pareil. Vous chancelez sur les bords d'un précipice. Votre survie dépendra des choix que vous ferez. Ils seront la boussole qui vous guidera à travers l'inconnu. Trouverez-vous le chemin menant au salut, ou errerez-vous à jamais dans le noir? Je vais être direct. Vous allez devoir faire des choix difficiles. De ces choix dépendront d'autres vies humaines. Les conséquences. C'est pas toujours les meilleurs choix. Hein. Se dévoileront peu à peu. Content de vous revoir. Vous devez avoir hâte de commencer. Ne perdons plus de temps. Comme vous le savez, je suis le conservateur, le gardien des récits, disons. Mon rôle est de garder une trace de tout ce que vous faites, chacun des choix ou des erreurs que vous faites. Je vous présente ma collection. On va voir les anciens jeux. Elle est remplie d'histoires inédites, faites d'amitié et de rivalité, de loyauté et de... Ouais, t'as vu, il y avait la petite poupée de Little Hope derrière. Tu la vois sur le livre? Ah non, j'ai vu, ouais. Je ne suis pas là pour vous aider. Des petits clés d'œil comme ça, c'est agréable. Ouais. Bien que il me soit arrivé d'enfreindre les règles de temps à autre. Descendre sans aucune aide vers l'inconnu est extrêmement brave. Ou extrêmement idiot. Mais peut-être valez-vous mieux qu'il n'y paraît. Laissez-moi vous prodiguer un conseil. Tout au long de l'histoire, vous pourrez trouver certaines images, des images présageant d'impossibles aboutissements. Je vous suggère de prendre garde à leurs messages. Elle pourrait annoncer un futur à éviter. Mais hélas, le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous nous reverrons pour évaluer vos succès ou vos échecs. Ouais, nous voilà des années plus tard. Eh, en Irak. Putain, en ce moment, tous mes jeux se font en Irak. Je voudrais faire Assassin's Creed en Irak. Il allait avoir toute la fratrie là. Colonel, ton voyage? Pas particulièrement. Bienvenue à Kanslayer. C'est en avance? Il a dû refaire un peu le mec un peu... Ouais, j'aurais dû, tu crois? Non, comme ça, justement. Ah, ok. Tout est paré pour votre présentation. Un peu insupportable. Ouais, ouais. Commandant, on pourra y aller. Lisez donc ça. Vous ne savez pas? Il y a un nouveau King aux commandes. C'est ce que je vois. Et vous êtes? Ah, insupportable? Ouais. Vas-y, insupportable. Doucement, Clarisse, c'est...
précieuse. Oui, monsieur. Docteur Stokes, pour vous servir. Elle ressemble un peu à une des personnes de Little Hope, elle. Bon, la salle est prête. La meuf, là. Laquelle ? La meuf, elle ressemble un peu à une personne de Little Hope. La meuf du type ou je sais pas trop quoi, là. Et toujours aussi grand. Elle ressemble un petit peu. Il y a plein de niveaux de conneries. Là, ah ouais, je vois laquelle tu veux dire, bah c'est elle, frère. On dirait trop elle, hein. Je sais pas si c'est elle, mais on dirait trop elle. C'est peut-être notre dernier jour ensemble, Rachel. Après ce qui est arrivé au poste de contrôle, j'ai cru que j'étais foutu. Ces dernières semaines, tu m'as soutenu. Je sais pas où je serais sans toi. Ah ouais. Rachel King. Le colonel King est arrivé à la base, madame. Il se rend à la salle de briefing. J'arrive dans 5 minutes. C'est de la même famille ? Merde, c'est lui. Il est en avance. Apparemment. Qui est ton mari ? Ah. Ah. Tu crois pas qu'il serait temps de lui parler ? Ouf. Allez, habille-toi, prépare-toi. Dis, Rachel, t'as l'intention de lui parler de nous deux ? Avec Eric, vous êtes séparés depuis un an. On sait déjà qui va te reprendre. Ah, ils se séparent depuis un an. La relation, elle est forcément finie, franchement. Ah. Attends. On va lui dire, hein. Mon cœur, je pense que c'est pas le bon moment. Mais putain, c'est jamais le bon moment. Et c'est pas la voix de Michael B. Jordan ? C'est promis. Bientôt. Oh, je sais pas du tout. FR. On se retrouve au briefing. Merde. Mes excuses pour le bruit et le dérangement. Il est encore en train d'installer la base. J'en reviens pas. Dire qu'il y a quelques semaines, sa dame menait la grande vie ici. Je l'imagine en train de se gaver de sucreries, pendant qu'un pauvre bouc lui coupe les ongles de pied. Quel tableau. Ah, j'adorerais qu'il voit ce que cet endroit est devenu. Ça me réjouit. Ah, c'est exactement la même gueule, la fille, c'est elle. Oh, c'est vraiment elle. On fait les choses en grand. Tout le monde veut faire partie de l'histoire. Dieu bénisse l'Amérique. Eh, hey, salut mon vieux. Travaille-moi ces petits muscles. Eh, hey, viens me rejoindre. T'apprendras peut-être 2 ou 3 trucs. Plus tard, on a de la visite. Ouais. Mademoiselle a peut-être envie de me voir transpirer un peu, non ? Ça vous tente pas, mademoiselle ? Je vous vois très bien d'ici, merci. Ignorez le caporal Merwin, il est incapable de se tenir. On dirait que toutes les unités ont leur tête à claque. Sergent Kay, voici le lieutenant-colonel King. Je conduis à la salle de briefing. Ouais, je vais me préparer. Ils ont quelque chose en commun directement. Il me semble. Hein. C'est quoi son problème ? Nick va pas très fort ces temps-ci. On s'est retrouvé dans une fusillade il y a quelques semaines. Un civil s'est pris une balle, Nick l'a mal pris. Il est apte au service ? C'est un grand garçon. Il est prêt. Eh ben Joey, ils t'ont collé derrière un bureau ? Tu veux que je les appelle ? Non, ça ira. Derrière un bureau, on se prend généralement moins de balles, pas vrai ? Et lui, ça doit être le spécialiste des satellites ? Tu veux qu'on le fasse désagréable ? Non, je suis votre supérieur, gros. Lieutenant-colonel Eric King. Si je ne m'abuse, sous-caporal, mon titre fait de moi votre commandant. Il se fout de moi ? Oh, merde, il se fout pas de moi.
Yes. Donne l'accès au site au colonel. Merde. On va le rendre insupportable, notre personnage. Vas-y. Si j'étais vous, je ne m'habituerais pas trop à ce bureau. Sincèrement, ah, ça lui a fait tout drôle. La mère va être au courant de ça, elle va péter un câble. C'est comme ça que vous appelez ma femme ? Ah, j'étais pas au courant, désolé. Ah ouais, on va le faire horrible. Mais du coup, ils sont séparés ou c'est sa femme ? Je comprends plus rien. Bah écoute, elle a dit que c'était plus ensemble depuis un an, à mon avis, à moins elle a menti ou quoi, je sais pas. C'est le cas, on s'est quitté en premier. Hein. Ah. La fidélité, ouais, mon gars, ça ouais, passe il... pas. Ouais, mais il en pourrait peut-être. Non, non, pas lui, elle. Ouais, elle, ouais. Ah, elle, ok, ça va. Pas première. Ça va. Non, non, lui, on va le garder le plus longtemps sauf possible. Sauf si c'est vraiment fini et que c'est lui qui l'assume pas. Ah, ouais, là, ouais. On va voir, on va voir. On va voir ça, on va voir ça. C'est un petit surnom affectueux. Mais si c'est pas le cas... Ouais, on la fume. Au bûcher. À droite, on va vous installer. Respectez la salle de briefing. La bande passante supportera les données. Je vous laisse gérer les trucs techniques. Et je vous laisse gérer la manutention. Ça marche pour moi, madame. C'est quoi cet endroit exactement ? On dirait une vieille salle de bal. Eh ben, vous avez deviné juste. Je crois que Saddam aimait se lâcher sur le dance floor. Vous croyez que si sa partenaire lui marchait sur les pieds, il la condamnait à mort ? Ça me surprendrait pas. Quand on aura fini, on pourra peut-être faire un tour de piste. Ok. Du moment que vous m'écrasez pas les pieds. Ah. C'est la femme, ex-femme, je sais pas trop quoi. C'est elle, ouais, c'est elle. Colonel King. Madame King. Eric, c'est mon équipe. Et quand tu veux les briefer, tu dois d'abord m'en parler. C'est mon équipe. Ah. C'est mon équipe maintenant. Qu'est-ce que tu racontes ? CENTCOM m'a donné l'ordre de prendre le commandement de ton équipe. Merde. Tu me fais marcher. Est-ce que je suis du genre à plaisanter ? Lieutenant Kolchek, si vous voulez bien. Ça vient du COS. Ça confirme que le lieutenant-colonel King est désormais chargé de cette opération. Je vais devoir accéder à votre réseau. Et vous êtes quoi ? C'est le docteur Stokes. Elle a toutes les habilitations. Je n'en doute pas. Ok, je vais essayer de voir ça tout de suite. Je m'attendais pas. Un petit bulle de chewing-gum. Docteur Stokes, veuillez préparer la présentation. T'as trouvé quelque chose ? C'est quoi ce truc ? L'art moderne ou quoi ? Ce sont des images du programme ultra-secret Kellus. Et je suis censé savoir ce que c'est ? C'est un système de satellites thermiques que j'ai mis au point. Oh, ça c'est la classe. Je vous en prie, illuminez-nous. Vous agissez comme ça dans tous vos briefings, caporal ? Les gars ont hâte de faire une petite pause, chef. Pardonnez-leur. Ça ira. Les images satellites de la zone de guerre ont révélé ce qui ressemble à une sorte d'entrepôt souterrain. Ah ouais, c'est où les autres sont morts. Je vais examiner de plus près, mais je soupçonne que c'est là que sont cachées les armes chimiques de Saddam. T'es foutu, espèce de salopard. CENTCOM a autorisé le raid sur l'entrepôt et la saisie de toute arme qui serait trouvée sur le site. Les hostilités sont finies, mais des groupes de la garde républicaine résistent dans tout le pays. Ils pourraient déployer ces armes à tout moment, il faut donc agir vite. L'armée va nous conduire là-bas en hélicoptère. En arrivant, le lieutenant Kolchek dirigera le raid sur l'entrepôt. Quand le lieu sera sécurisé, nous ferons une inspection complète des armes. Écoutez bien.
Malgré le changement de commandement, l'expertise opérationnelle de Rachel et sa connaissance des lieux sont toujours aussi précieuses. Elle viendra donc avec nous, et je tiens à ce que vous lui montriez le même respect. Vous avez des questions ? Mais qu'est-ce qu'on attend, bordel ? Je suis prêt ! C'est un territoire tribal, là-bas, colonel. Je vous préviens, ce sont de vrais sauvages. Des renforts aériens sont prévus. Non. Si on fait trop de bruit, on va attirer l'ennemi. On entre et on sort, vite fait. Ça, c'est ce que ma mère t'a demandé de faire. Et la ramène pas. What the fuck ? Si je m'étais pas retiré à temps, j'aurais pu être ton papa. Allez, ça suffit. Autre mais... Waouh. Chef, waouh. Quel est le plan ? Rien. On va régler ça nous-mêmes. Okay. Si ça se passe mal, j'arrêterai tout et on pourra filer. Avec tout le respect que je vous dois, c'est pas une bonne idée. Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant Kolchek, ce n'est pas à vous d'en décider. Oh ouais, on va le faire comme ça tout le jeu, lui. Ça te semble. Qu'est-ce que je l'aime bien. Merde, il n'a pas tort. Si on va en faire le vrai enculé. Et ça, c'est beau, mec. Pour toute question, venez me voir après le briefing. Ça se voit, il a la gueule à ça, toi. Silence radio jusqu'à ce qu'on ait les armes. Un peu, quand même. Hein. Si on ne se manifeste pas dans les 24 heures, CENTCOM lancera une opération de secours. Il peut se passer plein de trucs en 24 heures. Oh, arrête de faire chier. Je faisais juste la remarque. C'est pour ça qu'on fait cette guerre. Perspicace. C'est pour ce genre de choses qu'on se lève tous les matins. Que ce soit clair, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on empêchera Saddam d'utiliser ses armes. Soyez prêts dans une heure. Rompez. Clarisse, installons le matériel. On l'occupe. Je sais pas, mec. Je le sens pas, là. J'ai une drôle de sensation dans la nuque. Oh, chouchou, non. Un bon petit massage et ça ira mieux, hein. Je suis sérieux. J'ai un très mauvais pressentiment. Voilà ce qui arrive quand on passe trop de temps avec Eric. Vous pouvez faire quelque chose ? Yes. Je vais télécharger les dernières données satellite. Vous pourrez passer un peu de temps avec lui. Merci, Clarisse. Eric, il faut qu'on parle. Il faut que je te parle d'un truc. Je veux que tu saches, ce n'est pas moi qui ai décidé de reprendre ton opération. Tu m'as manqué, non ? C'est l'autre de gloire, non ? Je dirais. Ouais, non, la radio c'est mieux, je pense. Je veux pas parler de nous, Eric. Je voudrais seulement que tout redevienne comme avant. Ah. Ah, mec, tu l'as un peu dans le... Comme avant. Allô ? C'était pas génial entre nous. On a connu pire. Vraiment pire. Rien n'a changé, Eric. Tu le sais. Toi et moi. Y a plus de toi et moi, c'est fini. Rachel, je t'en prie. Dis pas ça. Tu ne portes plus ton alliance ? Oh, je crois que c'est l'autre, hey, ça va, c'est lui. Allez-y doucement. Ouais, j'allais dire. Oh, merde, pardon. Vous avez quoi dans votre mallette magique ? C'est quoi ce machin ? Une lampe à UV. Ça permet de chercher les explosifs. J'aimerais essayer. Non. Lui, il est bien, lui. Il est bien, si, il est marrant, lui. Il me le faut au plus vite. Est-ce que 5 minutes, c'est assez rapide pour vous ? C'est bon, ça télécharge. Bien, je vais regarder les cartes satellites. La connexion est lente. On fait avec ce qu'on a. Vous pouvez signer ce 1348 ? Hein ? Remise de matériel. Merci. Bien sûr. Tu vérifies le matos ? Plutôt deux fois qu'une. Ouais, j'ai compris. Est-ce qu'on se laisserait pas ici direct pour la première vidéo ? En vrai, c'est pas mal, on a déjà bien avancé. Je pense, les gars, qu'on va se laisser ici et on rentrera vraiment dans le vif du sujet dans l'épisode numéro 2. On a déjà vu l'intro, on a un peu compris avec l'équipe de laquelle on allait aller sur les lieux qu'on a vécu pendant l'intro. Je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, Coco. C'est déjà un très bon début. On a déjà un peu briefé là-dessus. On sait déjà un peu comment ça va se dérouler. Bref, j'espère que vous avez kiffé du coup la première vidéo.
Si c'est le cas, comme d'hab, le petit like, le petit abonnement. Je suis en live sur Twitch, sur plein d'autres jeux aussi, si vous voulez me suivre, il y a tout dans la description. On se retrouve très très vite pour l'épisode numéro 2 et tout le let's play en entier sera disponible sur YouTube. Et bah ciao les gars, je vous dis à très très bientôt les gars, ciao.